Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Oui, c'est pourquoi? Oui, c'est pourquoi? Je fais une enquête sur les vacances des Français. Je fais une enquête sur les vacances des Français. Vous partez en vacances l'été? Vous partez en vacances l'été? Oui, chaque année. Oui, chaque année. Vous partez quel mois? Vous partez quel mois? Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août. Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août. Vous préférez quel type de vacances? Vous préférez quel type de vacances? À la mer, à la montagne, à la campagne? À la mer, à la montagne, à la campagne? Pour nous, c'est important de quitter la ville. Pour nous, c'est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer 2 semaines. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer 2 semaines. Et la 3e semaine, ça dépend, on change chaque année. Et la 3e semaine, ça dépend, on change chaque année. On part 3 semaines en tout. On part 3 semaines en tout. Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Et la 3e semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Et la 3e semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? En Italie et au Portugal. En Italie et au Portugal. Merci, madame. Merci, madame. Bonjour, bonjour à tous, je suis Liliane. 大家好，我是 Liliane。今天呢，这个视频呢是影子跟读的第9个视频了。那今天的这个视频呢是关于法国人去度假的一个调查哈。我们一起来理解这个对话的内容哦。Bonjour, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Bonjour, madame. 就是您好，女士。Vous avez quelques minutes?Vous avez 这个 avez 呢是 avoir 对应的 vous 的动词变位，表示有的意思，就是您有。Quelque 表示几什么 ？Minute 是分钟，也就是几分钟哈。Quelque minute. Pour 是一个介词，表示目的哈。为了 répondre 啊 ，répondre 表示回答。那回答回复呢，我们用啊这个介词引导出来哈。Des questions 是问题 ，répondre à des questions 就是回答问题，就是说啊，你有几分钟来回答这个问题吗？Oui, c'est pourquoi? Oui, 是的，也就是我有时间。C'est pourquoi? C'est 这是 pour 还是表示目的哈？挂就是什么？就是这就是为了什么呢 ？Je fais une enquête sur les vacances des Français. Fais 这边动词原形是 faire 表示做哈。Une enquête 就是一个调查了。Sur 表示关于哈。Les vacances des Français 就是法国人的这个假期了。就是我在做一个关于法国人假期的一个调查哈。Vous partez en vacances l'été?Vous partez, partez 动词原形是 partir, 表示出发离开哈。那 partir en vacances 就是出发去度假了。L'été 就是夏天，夏天您出发去度假吗 ？Vous partez en vacances l'été? Oui, chaque année. Oui, 是的 ，chaque année 就是每年哦，这边连读 chaque année. Vous partez quel mois? Vous 啊，您 partez 动词原形我们刚刚已经学过了 ，partir 出发。Quel mois 就是哪一月份？注意一下 ，mois 这个月份呢是一个阳性单数名词，哪一个月份用 quel 阳性单数的形式哦 ？Au mois d'août, mon entreprise ferme au mois d'août。我们说在哪一个月份用 à 这个介词，然后 mois 月份是阳性的 le mois à 遇到 le 一定要缩合变成 au。Au mois, 哪一月份呢用的这个介词引导出来 ?out, 注意一下这个 de 要发音哈。那这个的这个介词遇到 out 是元音开头把省掉就变成 dout。Au mois dout, 就是在八月份。Mon entreprise, 我的公司 ferme, 这边动词原形是 ferme, 表示关门就是不营业了。Au mois dout, 就是我的公司呢在八月份是关门不营业的。Vous préférez quel type de vacances?À la mer, à la montagne, à la campagne, vous préférez, préférez, 动词原形是 préférez, 表示更喜欢。Quel type, type 就表示类型的意思，同样它是一个阳性单数名词 ,quel 就用阳性单数的形式哦。De vacances 就是假期，你喜欢什么类型的假期呀
à la mer 在海边 à la montagne 在这个山上山里哈 à la campagne 在乡下 pour nous c'est important de quitter la ville pour nous 对于我们来说 c'est 这是 important 就表示重要可以连读 c'est important 那做什么事情很重要呢用的这个介词引导出来后面用动词原形哦 quitter la ville quitter 这边用了动词原形表示离开La ville 就是城市，就是对我们来说，离开城市是很重要的。Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer deux semaines. Et la troisième semaine, ça dépend, on change chaque année. Mes enfants, 我的孩子们哈 ，adore 非常喜欢 la plage 就是沙滩 ，alors 那么 on va à la mer 我们就去这个海边了。注意一下，这个 on 虽然是指代我们，但是动词变位一定要用第三人称单数的动词变位哦。va 这边就是阿类对应的第三人称单数的动词变位了 à la mer 我们去海边 deux semaines 两个星期哦 et la troisième semaine 那第三个星期呢 ça dépend 注意一下这个 dépend 的动词原形是 dépendre 表示取决于那这边就说第三个星期那就取决于或者是说看情况的意思哈 on 是我们 change 动词原形 change 表示换了 chaque année 是每年也就是说每年的第三个星期我们去哪我们不知道我们都是看情况的 on part trois semaines on do on 和我们 part 动词原形 partir 出发离开 trois semaines 三个星期On do 就相当于 au total 就是总共的意思我们总共会出发离开去度假三个星期的意思啦 Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? A 放在句首起到强调的作用了 Vous restez restez 表示停留待的意思 plutôt 就表示更愿意在哪里呢 en France 在法国 ou 或者呢 vous partez 您出发离开À l'étranger 就表示在国外就是您更愿意在法国待还是去国外度假呀 Pour les 15 premiers jours à la mer nous allons dans le sud de la France Pour 对于 premier 表示第一的意思那15是15 jour 是天也就是对于头15天来说呢 à la mer 在海边 nous allons 我们去哪里呢 dans le sud de la France 去到法国的南部哦Et la troisième semaine, 然后第三个星期呢 ,nous faisons un voyage à l'étranger. 这边呢 ,faisons, 动词原形是 faire un voyage, 就是去旅行了。À l'étranger, 就是在国外也就是第三个星期呢我们会在国外旅行哈。Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? Dans quel pays, 我们说在哪个国家 ?Dans, 这个介词 ,pays 是一个阳性复数名词所以 quel, 我们要用阳性复数形式哈。Dans quel pays vous êtes allé? 这边用了 passé composé, 我们说 aller 是有位置移动改变的用 être 作为助动词哦。那 aller 要跟主语进行性数配合了要加上 s, 因为 vous 指代的是这位女士和她的孩子们那就是复数所以这个 aller 要加上 s 了。Ces dernières années, 最近这几年啊 en Italie et au Portugal。En Italie, 在意大利注意一下是阴性国名表示在的话就用 on 这个介词因为意大利是一个阴性的国名哦记得要连读 En Italie Et au Portugal Portugal 表示葡萄牙哈它是一个阳性单数名词表示在的话就用 o 哈 au Portugal Merci madame 谢谢您女士 Bonjour madame Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Oui, c'est pourquoi? Je fais une enquête sur les vacances des FrançaisVous partez en vacances l'été? Oui, chaque année. Vous partez quel mois? Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août. Vous préférez quel type de vacances? À la mer, à la montagne, à la campagne? Pour nous, c'est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer deux semaines. Et la troisième semaine, ça dépend, on change chaque année. On part trois semaines en tout.Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Et la troisième semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? En Italie et au Portugal. Merci, madame. Bonjour, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions? Oui, c'est pourquoi? Je fais une enquête sur les vacances des Français.Vous partez en vacances l'été? Oui, chaque année. Vous partez quel mois? Au mois d'août. Mon entreprise ferme au mois d'août.
Vous préférez quel type de vacances? À la mer, à la montagne, à la campagne? Pour nous, c'est important de quitter la ville. Mes enfants adorent la plage, alors on va à la mer 2 semaines. Et la 3e semaine, ça dépend, on change chaque année. On part 3 semaines en tout. Et vous restez plutôt en France ou vous partez à l'étranger? Pour les 15 premiers jours à la mer, nous allons dans le sud de la France. Et la 3e semaine, nous faisons un voyage à l'étranger. Dans quel pays vous êtes allé ces dernières années? En Italie et au Portugal. Merci, madame. 好了，以上呢就是今天莉莉安要跟大家分享的关于影子跟读第9个视频的全部内容啦。那已经报名影子跟读打卡的朋友们呢，这两天就抓紧时间练习跟读，然后在群里面打卡。如果你也想要提高法语的发音，扩展法语的词汇，对抗你的懒癌，欢迎继续加入这个法语影子跟读打卡群哈。感兴趣的朋友们呢，可以加我的微信了解咨询，在这个视频底下有我的微信号哦，记得要注明影子跟读。好了，喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。那我们下次再见啦，à la prochaine，salut。